Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, Jean-Pierre est colère. Le bureau des vérificateurs d'infos. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Le nouveau rapport de la Fondation Ellen MacArthur, lancé au forum de Davos, a révélé que d'ici 2050, la quantité de déchets plastiques dans les océans dépasserait celle des poissons. Alors vérifions tout de suite cette info avec notre correspondant Jean-Pierre Soft. Bonjour, vous êtes où Jean-Pierre ? Bonjour ma petite caille farcie, je suis à la droite du Per City et un peu sur un nuage. Alors oui, bon Dieu de bonsoir, l'info est juste. Pardon mon père. Et c'est un scandale. Dans plus de 30 ans, les poissons seront dans la merde en train de faire de l'aquaplaning sur des morceaux de plastique, des poches en caoutchouc sous les yeux et des écailles oxydées comme un pétrolier panaméen. Alors là, je dis stop aux pollueurs qui s'engraissent sur la bête, aux profiteurs de la malbouffe, aux criminels de la fourchette. Alors mes amis, non mais réveillez-vous avant qu'il soit tétard. Merci d'avoir validé l'info pour le BVI, Jean-Pierre. Mais de rien, mon petit chou. J'étais en pause, alors ça me pose pas de problème. Coluche, des proches et le luron, on passe à table dans 5 minutes. Le gigot ne supporte pas l'attente, mais non, bon Dieu. Chazot ne vient pas aujourd'hui, il donne des cours de danse à Cléopâtre. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.